un jour exceptionnel. Il y a des matins qui ne ressemblent pas à d'autres, ou des soirs aussi. Et on se dit que l'on va vivre des événements que l'on n'a pas coutume de vivre au quotidien. Les fêtes juives sont souvent appelées des moadim, parce que ce sont des moments qui reviennent. Moed, c'est un instant qui revient de manière récurrente. Et il y a une fête qui est quelque peu méconnue du calendrier juif. Or, on la connaît, mais on ne sait pas trop à quoi elle se rapporte. C'est Shavuot, qui veut dire d'ailleurs la fête des semaines, parce qu'elle marque l'aboutissement de l'élévation spirituelle qui nous conduit de la sortie d'Égypte à la révélation du Sinaï. Et à ce sujet d'ailleurs, nos maîtres enseignent que cette journée est particulièrement exceptionnelle. D'ailleurs, le Maharsha, dans ses commentaires sur le Talmud, eh bien, rapporte cet enseignement de Rav Yosef, qui avait l'habitude, Biyomad Atzarta, le jour de Atzeret, le jour de Shavuot, de préparer un veau gras. Et il disait, si ce n'était cette journée-là, le 6 Sivan, il y aurait beaucoup de Yosef dans la rue, au marché. Pourtant, Rav Yosef est considéré comme quelqu'un d'extrêmement anable, d'une très grande humilité. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir conscience de sa valeur intrinsèque. Alors, qu'est-ce que Rav Yosef a voulu dire par là? Eh bien que le don de la Torah a bouleversé notre vie. Que la Torah bouleverse notre être. Que c'est quelque chose qui nous prend aux tripes et qui monte jusqu'au cerveau et qui va nous faire de nous des êtres différents, des êtres meilleurs, du moins nous l'espérons. Et c'est ça le sens de cet enseignement de la Torah. Parce que, à ce moment-là, nous sommes reconnectés avec nos ancêtres au Sinaï, il y a plus de 3300 ans, qui se sont retrouvés, qui est Ishechad Belevechad, Vayichan Sham Israël Negedahar. Israël a résidé face à la montagne, en dessous de la montagne. Et nos maîtres nous disent que le singulier usité ici, fait référence à l'unité parfaite qui régnait au sein du peuple juif. Comme un seul homme, avec un seul cœur. Quel plus bel instant. Et on peut dire qu'à ce moment-là, alors effectivement, ça veut dire qu'on a compris le sens de la Torah. La Torah est faite pour nous rendre meilleurs, pour proclamer l'unité, d'abord des enfants d'Israël, et après de toute l'humanité, du genre humain. Car si nous ne sommes pas capables de réaliser ce que signifie la fraternité humaine, alors c'est que nous n'avons pas compris le message de la Torah. Nous sommes passés littéralement à côté de la plaque. Et ce moment spécial qui change notre vie, notre vision de l'homme, notre vision de notre rapport avec le Créateur, qui change aussi notre vision vis-à-vis de nous-mêmes, eh bien il est tellement exceptionnel qu'il faut le célébrer comme il se doit. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de confidentiel, quelque chose de mis délicatement sous le tapis ou réservé à une toute petite partie du peuple juif. Non, il faut que ce soit quelque chose qui soit un événement à la mesure de sa hauteur, un événement majeur dans le calendrier juif. Matan Torah, le don de la Torah, mais simplement, pas simplement le don de la Torah, la prise de conscience que intrinsèque à chacun d'entre nous, que sans la Torah, eh bien, nous ne sommes pas ce que nous sommes, nous ne sommes pas ce que nous aurions pu être, et que finalement, grâce à la Torah, nous avons la chance d'être, nous l'espérons du moins, meilleurs, plus avancés, en progression constante, en devenir, des êtres en devenir, mais des êtres en devenir pour le bien de l'humanité, et donc, par là même, le bien de toute la création. Shabbat Shalom, Chag Sameach.